Hey, yo, what's going on, my drillers? It's your boy Gene, back with another book boy review. Excuse-moi si je crie dans ton oreille. C'est pas ma faute, ça fait longtemps. Yeah, so yeah, on est back, puis c'est ça. Oui, je suis un ranceur, mais tu sais, on connaît, c'est la vie. On va essayer d'être plus constant et non consistant, parce que consistant, c'est en anglais. And yeah, that's it. Dans le fond, je vais faire un recap de mes derniers cups et mon expérience au Sneak Peek Universe, parce que j'étais allé à leur dernier event qui s'était passé le 14 août dernier. Un de mes amis avait une table là-bas et il m'avait demandé de l'aider, so je suis allé. And yeah, that's pretty much it. Like, comment, subscribe, the usual stuff, you know, it's your boy Gene. And yeah, let's get it, let's get into it. It's getting too weird, brother. Une autre vidéo, lay back, relax, you know. On veut pas essayer de te shook up trop. So yeah, dans le fond, Sneak Peek, c'est un événement de sneakers qui se fait à Montréal. C'est organisé par un gars d'ici qui s'appelle Johan, si je me trompe pas. Anyway, je vais le IG de Sneak Peek dans la description, sinon leur site web. Et vous pourrez voir de vos propres yeux. Dans le fond, c'est un peu le même concept que SneakerCon. C'est un événement où est-ce qu'il y a des tables de vendeurs. Puis tu peux aller voir les différentes choses qu'ils ont. Contrairement à d'autres événements, à d'autres conventions, je veux dire, c'est pas un endroit où est-ce que tu es là pour toucher, expérimenter, apprendre à connaître qu'est-ce que c'est que le sneaker industry ou le sneaker world. C'est pas comme une convention d'auto ou genre de comics. Tu es vraiment là parce que tu cherches quelque chose, ou tu veux vendre quelque chose, ou tu veux trade quelque chose. Puis, pretty much it, comme j'ai quelques personnes que je connais qui étaient allées, puis ils étaient un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à ce que ça soit un peu comme ça, comme une convention interactive, où est-ce que tu vas, puis t'apprends quelque chose, whatever. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, tu vas apprendre, puis tu vas calmer. C'est ça. Excusez-moi. Comme je disais, dans le fond, ça s'est fait sur Décari, au même endroit que Group Chat a fait leur spectacle d'humour en plein air, là. Shout Group Chat, Shameless Plug, je vais le mettre dans la description. Dans le fond, petite publicité, Group Chat, ils ont un studio, ils ont des studios d'enregistrement de podcasts et un studio de photos. Si c'est quelque chose que tu fais ou qui t'intéresse, you know, reach out to them. Ils font aussi des événements d'humour. Il y en a à chaque semaine, chaque lundi je pense, et chaque jeudi ou vendredi. Je pense qu'il y a deux ou trois événements par semaine d'humour. So yeah, allez les follow, vous allez voir ce qu'ils font, très nice. Ça se peut que je commence à enregistrer là-bas, so yeah, on essaie de se plugger, low key. Revenons à nos moutons. So, ça s'est fait là-bas sur Décarie. Maintenant, dans cet endroit-là, il y a un terrain de basket extérieur intégré. Puis ils ont utilisé ça pour pouvoir donner des prix. Comme il y avait un challenge de tu dois faire un lay-up, ensuite tu fais un free throw, ensuite tu fais un 3 points, puis ensuite tu fais un half-court shot. Puis tu dois faire tout ça en 30 secondes pour avoir la chance de gagner un prix. Si tu n'arrivais pas à réussir tout au complet, tu pouvais gagner des petits trucs, mais le plus gros prix, je pense que c'était une paire de shoes. Je ne me rappelle pas laquelle. Anyway, j'ai sûrement des 8 caps quelque part, est-ce que vous pourriez voir ça? Ça, c'était un des trucs interactifs qu'il y avait. Sinon, il y avait des DJ. J'ai vu que Ask Classified était venu. Ben, moi, j'étais parti avant qu'ils arrivent. Il y avait Ask Classified, il y avait aussi Shrees. Quand je suis parti, apparemment il y avait aussi Rosalvo. Je sais pas si ils ont fait des performances, mais ils étaient là. So yeah, that's been nice. Avoir des artistes locaux qui supportent la cause. So yeah, c'était nice. Personnellement, j'ai aimé ça parce que dans le fond, j'étais pas là pour rien. J'étais là pour aider un de mes amis. Puis j'en ai profité pour trade une de mes paires. Puis dans le fond, ça compte comme un de mes cups. J'ai trade
Shout à Eddie, si je me trompe pas, il y avait une table là-bas. Puis j'avais vu qu'il y avait une paire qui m'intéressait, qui est juste ici. Donnez-moi 30 secondes. Oh! Paire de Stussy Air Force One en noir. Ça fait longtemps que je la voulais. Puis il avait là-bas un bon prix. J'ai trade une paire de Jordan 1 que j'avais. Ben, celle que j'étais supposé faire une vidéo avec. La University Blue contre cette paire. So here it is, Stussy Air Force One Black. Je disais déjà NDS. Super nice comme paire. À l'intérieur, c'est du cuir, tu vois. On a du lining en cuir à l'intérieur, tu vois. L'extérieur, ce n'est pas du cuir, mais c'est du canevas, tu vois. Donc, ouais, vraiment nice. J'ai vu certaines personnes qui ont dyé leur paire. D'enfants, ils ont changé la couleur. Puis, je trouve ça vraiment nice. En tout cas, j'aime vraiment cette paire-là. So, j'en ai profité et j'ai eu du cashback en les tradant. So, win-win situation. Yeah, that's pretty much it. Ça, c'est une des paires que je voulais vous montrer comme cop. Comme US Cup, puis aussi une des raisons pour laquelle je trouve que ça a valu la peine d'aller au sneak peek, ben, d'aller aider mon ami. Cause I didn't pay for that. J'ai eu un free pass, tu vois. J'ai eu un free pass. Puis c'était nice de voir les différents 22, voir c'est qui les. Contre qui tu perds dans les raffles. C'était nice de les voir en personne. Yeah, mais en même temps c'est nice parce que j'ai pu, connecter avec différentes personnes, puis savoir comment ils fonctionnent, whatever, puis voir leurs produits, man, voir des paires que j'aurais pas pu voir ailleurs, puis aussi à des prix différents parce que des fois dans des boutiques de resell, yeah, tu vois la paire, mais après ça il y a les taxes puis tout, t'es comme, je suis pas sûr, mais là c'est devant toi. Je pense pas qu'il taxe. Bon, en tout cas, moi, on m'a pas taxé, tu comprends? Puis, pretty nice, to be honest. So, si t'es into sneakers, puis whatever, t'as des paires à trade, sinon il y a quelque chose que tu cherches ou t'essayes de vendre quelque chose, je dirais aller au sneak peek, c'est quand même intéressant. Puis, si t'as des paires à vendre, check les prix avant, essaye de voir si elle est propre, Soit raisonnable. Tu comprends? Les gars sont pas là pour niaiser, tu vois. So. Fait sens. Ou pas Kavin là, et puis. Comme si que. Comprends? C'est ça. Fait comme j'ai dit, si t'es into sneakers, t'as des trucs à vendre, whatever, ou sinon tu veux juste voir comment c'est. Vraiment nice. Expérience. Si c'est ça à ça que tu t'attends, mais si tu t'attends à ce que ça soit interactif, content entertain, c'est pas ce genre d'événement-là. C'est vraiment comme un gros marché aux puces de sneakers. C'est vraiment ça. Il y avait aussi des gars qui vendaient du vintage clothing. Ils avaient des vêtements à vendre. Ce qui est vraiment tendance ces temps-ci. So. Yeah, that was nice. J'aime juste pas les prix de ces affaires-là, man. I just can't. I just can't, but it was nice pieces. I won't lie to you, bro. Nice pieces, but the price though, I can't get jiggy with. Nah, I mean. Ok, je vais arrêter. Yeah, so sneak peek, nice event. I recommend to you. Si t'es là-dessus, si t'es pas là-dessus, ben yo, je te dis des affaires comme elles sont. Yeah. Prochain cop, c'est un des choses qui était dans ma liste de cette année. Une vidéo qui est encore sur ma chaîne, si tu l'as pas déjà vue. La plupart des choses que j'avais mis dessus sont déjà sorties. Fait que j'ai mangé des L, mais celle-là, je pouvais pas. Le prix était pas intéressant, mais je pouvais pas. Comme si je pouvais pas négocier avec ça. Parce que je savais que ça allait me déranger de pas l'avoir sur. Yeah. Juste derrière moi, la boîte jaune, tu vois. La boîte jaune, tu vois.
Donne-moi un instant. Oui. Oui. Bébé, mon amour. Shout out Drisso. Size 10, you know. It's for the feet, you know. We buy them to rock them, you know. That's the energy. Je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. En tout cas, je vous montre ça. Quick. No long talk. Tu comprends? No long talk. Je montre ça. Quick. Butters. Sweetness. Honey. Gleezing on my tummy. Baby. Ok, j'arrête. En tout cas, Julian Four et Lightning. Belle paire pour de vrai. Belle paire. Un peu le même matériel que les Jordan 3 Cool Grey, qui est un sleeper shoe. Not gonna lie to you. Personnellement, je trouve. So yeah, un cop que j'attendais. Un shoe que j'attendais depuis le début de l'année. And here it is. C'était 2,85 $ donc. 2,85 $ Jordan Brand, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Puis moi, les Gary, je l'achète quand même. Bref, le show est terrible. J'étais supposé faire des vidéos de moi avec des outfits, avec des shoes. Peut-être je vais faire avec celle-là. Puis quelques autres paires que je vous ai jamais montrées. So yeah. Mais comme je disais, le matériel est nice. Un peu comme le matériel de la Cool Grey 3. Actually, c'est quasiment la même chose. Really nice. Just wait to see them on my feet, baby. Darling, I'm telling you, I'm getting along better with your friend. J'arrête. Mais d'ailleurs, Drake et Kanye ont drop. Dites-moi si vous êtes plus CLB ou Donda. Pour être franc, au début, CLB, je filais pas trop, mais il y a quelques beats qui grow on me, puis j'aime pas ça. Kanye, nice album. Beaucoup de bons beats, je vais pas mentir, beaucoup de bops, mais tu sais, il y a beaucoup de chansons qu'on a déjà entendues, so I'm like, alright, some slight, but off the grid, Hurricane, The Weeknd dans Hurricane, bébé, darling, qu'est-ce que tu me fais? Je sais pas qu'est-ce qui me prend. Oh yeah, like, comment, subscribe, the usual stuff. It was your boy Gene avec une nouvelle vidéo. On va essayer de, you know, les pump out un peu plus. Puis laissez-moi savoir si vous voulez voir la vidéo avec les sneakers et tout. On va essayer de faire ça au plus sacré. Excuse-moi, Seigneur. On va essayer de faire ça. Puis ouais, that's pretty much it, man. Thanks for sticking out with your boy. Et puis c'est ça. Je sais pas pourquoi je suis aussi niaiseux aujourd'hui. UGN, le charme de la rue, tu vois. Ils avaient eu plusieurs pop-ups cet été. Nice brand. Yo, je vais mettre dans la description. Comme si que. Va get ton chandail, va get ta casquette. Attends. Bon, mon chance. Va get ton chandail, va get ta casquette, tu comprends? Bébé. Va guetter ton chandail, va guetter ta casquette, tu comprends? Je suis pas affreux. Baby, do you see that? Do you see that? Wait, hold on. Free la rue, bébé. Libère la rue, bébé. Et tu comprends la vision? Ça, attends, tu t'as vu le jaune derrière? Avec ça? Je vais te matrixer, bro. Comme si... Attends, on appelle le taxi. On pull up dans le backseat. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends la vision? Yeah, so, Boy Gene. Like, comment, subscribe, the usual stuff, you know. Je l'ai dit comme 50 fois, mais c'est pour que ça rentre dans ta cavessa. Tu comprends? Wow, j'ai des bars aujourd'hui. Yeah. Peace, take care, see you next time.